Laissez pas de place vide et gardez bien, respectez bien les distances d'1,50 m entre vous. On vous a offert également un magnifique masque. Eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser, surtout si vous ne savez pas vous empêcher de vous rapprocher de votre voisine pour lui donner un petit bisou. Quoi. Non, pas de bisou. Eh bien, vous mettez votre masque et vous protégez. Vous faites très attention. On va être très attentif pendant tout au long de cet après-midi au respect des distanciations sociales. Ici, il n'y a peut-être plus de place assise, il reste des places debout le long sur la pelouse là-bas, donc ne restez pas dans le fond. Venez, vous admirerez de plus près ce magnifique tunnel. D'ici une petite dizaine de minutes, eh bien, ce sera la partie officielle de cette inauguration. Il me reste à remercier chaudement le Delirium Tremens pour l'animation musicale de cet après-midi. Et bravo également à eux, au service administratif et au service des travaux qui ont énormément travaillé à l'organisation et à la réussite de cette journée. Et je vous demande de les applaudir tous très chaleureusement. Notre bourgmestre, M. Arnaud Doué, à qui j'ai le plaisir de passer la parole. Madame Mestriot, bourgmestre honoraire de Dalem, Madame Dessart, bourgmestre de Visé, Messieurs Levaux et Dortu, échevins des communes de Fouron et d'Aubel, Monsieur Blanchard, président de la Maison du Tourisme du Pays F, Monsieur Ernst, conseiller provincial et vice-président de Bénimine, Monsieur Lejeune, conseiller provincial, Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers d'Alémois, Mesdames et Messieurs les représentants des clubs et ASBL défendant la mobilité douce, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en votre titre et qualité, chers d'Alémois, je vous souhaite la bienvenue ici aujourd'hui à Dalem, au pied des vestiges de notre cité millénaire et devant cet ouvrage d'art magnifique qui retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. À la fin du XIXe siècle, la ville de Liège élabore le projet de construire un vicinal qui atteindrait la frontière des Pays-Bas et constituerait un approvisionnement appréciable en charbon, bétail et produits laitiers. La ligne Liège-Barchon est ouverte au trafic le 14 juillet 1898 et connaît rapidement un vif succès. En 1904, sous le majorat d'Henri Francotte, le tunnel de Dalem est percé sous la vieille ville. Long de 144 mètres de plus, j'en ai 9 de plus que M. Marx, il est le plus long tunnel vicinal à une voie de Belgique.
à sa sortie le tracé enjambe la Berouine sur un pont métallique. C'est le 6 mai 1905 qu'a lieu la première liaison du train de marchandises du charbonnage de Trembleur à Fouron-le-Comte. La ligne totalise alors 31 km. Le tunnel devient aussi un endroit rêvé pour les enfants du village. Les plus petits se cachent dans les renfoncements du tunnel prévus pour les piétons lors du passage des trams ou encore grimpent dans les trous situés dans la voûte du tunnel. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale perturbe la ligne. Le pont sur la Berouine a sauté et le terminus se situe désormais à l'entrée du tunnel. Le 8 octobre 1960, le charbonnage prend à son compte l'exploitation de la section Trembleur-Warsage et ce jusqu'au 31 mars 1980, date de la fermeture du charbonnage. En 1971, le syndicat d'initiative du comté de Dahlem reprend l'idée d'un tram touristique et lance en 1973 l'Itrain bleu, qui va de Trembleur à Mortrou, soit 7 km. Ce petit train rencontre un énorme succès pendant la saison touristique. En 1989, la Royale Jeunesse SRV de Dahlem décide d'organiser la fête annuelle dans le tunnel et dénomme l'événement Fête du tunnel. Le samedi 5 octobre 1991, 115 personnes en visite au domaine de Blénimine prennent place dans le train bleu. Survient malheureusement un tragique accident dans la descente vers Dahlem qui provoqua la mort de 7 voyageurs et des dizaines de blessés. 115 touristes venus essentiellement du nord du pays et de la région bruxelloise prennent place dans ce petit train constitué d'une locomotive diesel et de 3 wagons. Ils se réjouissent de cette excursion à travers notre beau bocage vallonné. Une dizaine de minutes après le départ, le machiniste s'aperçoit qu'il y a un problème mécanique. Il quitte la cabine afin d'en informer un technicien via le téléphone d'une ferme proche. Hélas, quelques minutes plus tard, le convoi se remet en route sans chauffeur, prend de la vitesse, de plus en plus de vitesse, dévale sur 500 mètres la pente abrupte qui mène au tunnel et arrive trop vite pour pouvoir négocier la courbe qui s'annonce. Les wagons déraillent. Ils se couchent à 20 mètres de notre tunnel dans un grand fracas. C'est l'horreur à bord des wagons. 24 heures plus tard, le bilan tombe. Une trentaine de blessés ont été évacués et on déplore 7 décès. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce douloureux événement. C'est la fin du train bleu. Quelques années après, le tunnel doit être fermé pour raison de sécurité. Un sentier touristique sur l'emplacement de l'ancienne voie ferrée au départ du pont de Chenestre jusqu'à l'ancien terminus du train bleu à Mortrou est néanmoins créé. Commence alors le long cheminement vers la réhabilitation de ce monument. Entre 2009 et 2012, le bourgmestre de Dahlem, Jean-Claude Dewey, et son voisin blénitois, Marc Bolland, ont déjà le projet de réhabiliter ce chaînon manquant. Un accord est alors trouvé. La communauté française cède pour cette fin 2012 le tunnel à la commune de Dahlem pour 1 euro symbolique. Le travail à réaliser est important. Le montant final s'élève à un peu plus de 500 000 euros, ce qui n'est pas rien pour une commune de notre taille. Pour un projet de mobilité douce de Soumagne à Dahlem, en y intégrant la réhabilitation du tunnel. Un subside supracommunal d'un montant de 260 000 euros, dont 161 500 pour la réfection du tunnel. En 2018, les travaux peuvent débuter. Ceux-ci sont conséquents et consistent pour le tunnel en la stabilisation du talus, la stabilisation et la réfection de maçonnerie de briques de blocs et de pierres naturelles, la mise en place d'ancrage à la jonction entre le bandeau de pierre et le corps de voûte en briques, la restauration des tourelles, de l'archivolte et de la pierre comportant l'épigraphe, l'installation de filets de protection, d'un éclairage pour passage piétonnier, avec détecteur de présence, ainsi que d'un éclairage de secours, la mise en lumière des entrées et le placement de caméras de surveillance. Pour le pont, les travaux comprennent le renforcement de sa structure et le remplacement de son revêtement, le remplacement des garde-corps, la restauration des pierres d'assises devant le pont, la restauration du couvre-mur en pierre. Et en juin de cette année, le Conseil provincial confirme le subside complémentaire de 50 000 euros. Ouf! Nous atteignons aujourd'hui le bout du tunnel et pouvons enfin déclarer réouvert le tunnel de Dahlem.
En voiture, Simone. Voilà. Cet accident sonnera le glas de l'attraction touristique Litrain Bleu. En mémoire de ces victimes, la commune de Dalem a fait ériger une stèle commémorative. Celle-ci est placée au sortir du tunnel. Thank you.
Je clôturerai ce discours par les remerciements. Monsieur Marx, merci à vous, notre maître de cérémonie, monsieur Henriet, le dessinateur de l'invitation, mes parents, Pierre et Colette, pour le don du wagonnet à l'entrée de la place. J'ai certainement oublié beaucoup de monde aujourd'hui, je m'en excuse déjà. Donc je remercie toutes les personnes qui ont soutenu ce projet de près ou de loin. Vive le tunnel et vive Dalem. Merci.
Monsieur Fabien Vassen, en charge de l'environnement, de la transition énergétique, de l'aménagement du territoire, de la mobilité, des bâtiments communaux, etc., etc. Il y a une longue liste également. De Madame Daniela Créma, et je suis en charge de la culture, du tourisme, du patrimoine, des commerces, des seigneurs, de la santé, et de l'échelle. La présence de Monsieur Léon Guizel, président du CPAS et chargé des affaires sociales.